Du coup, tu disais MTT, c'est quoi? Ouais, MTT, tu sais, c'est quoi le sigle? Tu sais, ça représente quoi la marque MTT? Métatone. Trop. Non, ouais. Besoin de chercher plan en fait, c'est juste Métatone. Ah. Bonjour, comment on va? Coucou Alex, comment tu vas? Ça fait carton ici, c'est deux gaillards. On a acheté toute la glace que j'avais, man. Il me reste plus rien à vendre. Désolé. Attends, il me reste quelque chose pour toi. Un grand sourire. Et standy, man. Pense ton cœur, pardon. Oh, salut. On va genre remettre à plus tard cette histoire à propos de te tuer et tout. Mais va pas genre répéter ça à Endine, ok? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Ça va bien. Du coup, on a fait partout, on a fait tous les chemins, là, d'accord? Ok, on a fait tous les chemins. Montons. Pas dans la ruelle sombre. Quoi? T'es sûr que t'es pas censé aller par là tout de suite? Non, t'es censé aller à droite. À droite. Viens à droite. Viens à droite. T'es... Attends. J'ai un gros doute, les gars, là. Je suis dans le doute. On est d'accord que... Non, mais Tatone, c'est après que tu veux le battre. C'est après l'hôtel? Ouais, c'est après l'hôtel. C'est quand tu dois monter. Ah oui, ok, excuse-moi, j'ai juste un doute, mais non, c'est bon. T'inquiète. Oh oui. Ah ouais, mate-moi ça. Eh, hey, mate-moi ça. Oh. Là, ça va être long. Ah, tu devrais acheter tous nos trucs. Clé mystérieuse, probablement, de la maison d'un gars MD... Mais non, le fameux gars qui voulait pas ouvrir. Probablement de la maison d'un gars... MDR. Oh, j'ai envie de la prendre. Mais j'ai pas de thunes, pas beaucoup. C'est vrai qu'il va te rester que 80. Hein. Est-ce que c'est important pour la... Comment? C'est plus un easter egg. Ah ok, bon, bah nique. Mais tu pourrais découvrir ce que c'est derrière, vraiment. Oh, ouais. Nique. Ouais, il est pas curieux. Gati, on va devenir riche. Oh oui. Oh, et mate-moi ça. Eh, mate-moi ça. Merci, mais on n'a genre pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Oh mon dieu, tu es trop bien. Attends, je vais... Non. Il avait encore envie de pousser les bitches. Oh, vous avez pas besoin de... Je vois ce biatch. Je suis en chaleur. Eh, je te dis que t'allais au noyau. Ça te dirait de manger un bout avec moi avant? Cool. Merci de m'inviter. Par ici, tu connais un raccourci. Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt. Par vrai. Tu dois vraiment vouloir rentrer chez toi. Eh, je connais ce sentiment, mon pote. Mais, parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, t'as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine? Bah, oui ça. Je te fais confiance, le mioche. Hey, laisse-moi te raconter une histoire. Tu te souviens que je suis une sentinelle de la forêt de Couve-Neige, hein. Je reste là à attendre l'arrivée des humains, plutôt barbants. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc-toc. Un jour, je tape à discuter tout seul, comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc-toc. Et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. Qui est là? Du coup, naturellement, je réponds Tuba. Tuba qui? Tubaku. Tuba a trouvé cette blague vraiment nulle. Et là, elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendue de sa vie. Du coup, continue d'en sortir, et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé une blague aussi drôle. Je continue. Tout à coup, elle frappe à la porte et lance. Toc toc. Je réponds, qui est là? Maria. Maria qui? Olé. Ouah. Ça crève les yeux. Cette femme était extrêmement douée. Elle a continué de se raconter des blagues pendant des heures. Au bout d'un moment, j'ai dû partir. Papyrus devient un ronchon sans son histoire avant d'aller au lit. Elle m'a demandé de repasser la voir, ce que j'ai fait.
Je suis revenu encore et encore, c'est notre passe-temps. Vous racontez des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Ah. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qui allait pas, et elle m'a sorti quelque chose d'étrange. Si Anima franchit un jour cette porte, pourriez-vous, par pitié, me promettre quelque chose? Veillez sur lui et protégez-le, d'accord? Pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Cette histoire et cette femme, je ne connais même pas son nom, mais quelqu'un qui aime à ce point les blagues pourries possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non. Tu vois ce que je veux dire? Cette promesse que je lui ai faite, c'est ce qui serait arrivé si elle m'avait rien dit? Petite tête. Serait déjà 6 pieds sous terre. Eh, détends-toi, mon poteau. Je plaisantais, c'est tout. Et puis, tu trouves pas que j'ai assuré ta protection comme un pro jusqu'ici? Je veux dire, regarde-toi. T'as pas cassé ta pipe une seule fois et... Ça veut dire quoi, ce regard? J'ai pas raison? Eh... Bon, bah c'est tout. Prends soin de toi, le mioche. Parce que quelqu'un tient beaucoup à toi. Ok. Bamboche. En venant ici, je me suis rappelé que j'avais oublié de te réserver. Mais pour ne pas m'afficher, je continue de marcher comme si de rien n'était. Maintenant, me voilà forcé à... À boire de la rosée sur ce ficus. Ah, très bien. Ah, est-ce que... pour la... Bon. Est-ce que pour cette trou pacifique, il faut que dans l'hôtel j'aide les gens à... Parce que je sais que certains veulent des trucs. Est-ce que c'est ça aide ou c'est juste mystérieux aussi? Je pense pas, moi, que ça puisse te débloquer des objets. Sinon, c'est tout. Ok. Genre ah, gratuitement, quoi. Ou plus ou moins gratuitement. Mais d'ailleurs, pense à t'équiper niveau bouffe. Je sais pas si tu l'as fait. Je vais le faire. Bah, c'est où déjà? Ah non, c'était à côté. À droite. C'est juste à droite. Non! T'as pris une chambre à 200 balles la chambre. Bon, ça va, t'as encore assez pour acheter de la bouffe. Je baise avec qui, là? Attendez, je suis tout seul. En fait, je crois que je l'aime bien, Metaton. Pourquoi le fils, elle me parle comme ça? On dirait qu'elle m'aime. Eh. Quoi? Toi, ce que t'es en train de faire là? Ouais. J'ai toujours pas joué, mais récemment, il y a des gens qui ont fait un mode où tu fais tout le jeu comme ça. Horrible. Tu es une boule sur la terre, et du coup, t'as toujours ce rythme de toum toum toum, rythme de la musique. C'est trop bien. C'est trop marrant. Et j'avais envie d'y jouer. Et j'avais envie d'y jouer comme ça tout le long du jeu. Un peu partout. Balades, toum 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 toum. Et j'avais oublié que ça avait de ce easter egg d'ailleurs, putain. 200 balles pour ça. 200 balles pour de la merde, hein, quand même. Hein. Bah, 600, t'aurais vu, ça aurait été mieux. Eh, salut, avec un pêche-père pour vous, mon client, le client a toujours raison, passez. J'avais même pas compris que tu faisais lui. Ah, oui, je faisais lui. Hein. Je faisais très mal. Ah, mais t'as plein de trucs de bouffe. Ouais, mais je pense qu'on peut en prendre un peu plus quand même. Répondez à la bêche, je m'en fous. Là, on peut en prendre deux de plus en voie de bouffe. Ah, il y avait pas une box pas loin. Oh, le gâchis de l'eau, oh là 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 là. Dommage. Plein d'eau dans la forêt. Ah, bah. Eh, viens nous à la grille, MTT, la place de la bête de la grille, tu veux d'un bouquet, tu veux quoi? Ah, merci! Ah, le client a toujours raison, passez une belle journée! Et puis là, justement, j'y vais à plus tard des bisous. À plus tard et des bisous, Alex.
Et du coup, là, normalement, il faut justement pas que je prenne l'ascenseur, comme me le dit Alphys, mais il faut que je parte à vraiment l'opposé. Qui c'était ça? Personne d'autre n'est supposé être ici. Bah, on se soucie de ça plus tard. C'est bon, c'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet du noyau. Du coup, non, justement, faut pas... Ah, c'était pas ici. À gauche, il faut pas le prendre si on veut faire Metaton. Hé, pourquoi tu n'essayes pas l'ascenseur d'abord? Attention! Malicien sort de son propre chapeau. Vider l'esprit. D'ignorer le malicien et penser aux fleurs et au soleil. Et penser à compter de 1. Ah, Kaza! Il y a qu'un seul en finale. Oh putain de merde! Chut! Non, yep. Parlez! Malicien vous interrompt et se parle à lui-même. Il est content. Tournicoti, tournicota! C'est bizarre, prenons un. Ah, bah voilà. Fallait juste. Lui parler. Alphys! Je t'ai regardé mieux, mieux là. Alphys! Oh, tu me saoules! Le mec passe. Je veux dire. Nagé, continue d'avancer, c'est tout. Avance, allez, avance, fais pas chier. Putain, mais Alphys, ça fait chier tout le temps là, putain, pour dire de la merde. Moi, je suis en train de. Tu assumes ton personnage jusqu'au. Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que les lasers, bah voilà, si tu passes les dialogues, je peux pas les lire, je crois qu'ils vont aller. Orange, orange, bleu. Tu te rappelles? Oh, c'est bleu, bleu, orange. C'est l'inverse. Ah merde, merde, du coup, c'est pas. Non, non, c'est orange, orange, bleu. Vous m'avez divulgaché? Comment ça? J'ai bougé. Vous divulgâchez le jeu. Mémoire de poisson. Mais ouais. Ta mémoire. Oh mon dieu. Est-ce que tu vas bien? C'est ça qui est bien. Ta mémoire de poisson. Ça veut dire qu'au bout de un mois. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'au bout d'une semaine, j'ai oublié le jeu, je peux le refaire à l'infini. Mais oui, mais putain, t'as trop la chance. Moi aussi, je veux pouvoir faire à l'infini le jeu. Tout le monde va dire. Ah, mais ça serait con si oublier l'or, le mec il serait perdu. Non, une fois, j'ai fait une fois ce jeu, je crois, non? Mais non, t'as fait pendant 10 fois dans la semaine. T'as calmé. Continue vers la droite. Voilà. Tu sais ce qu'on fait? Je prépare mes deux autres personnages pour plus tard qui vont arriver à la fin. Un carrefour, T'inquiète, t'auras le time quand il y aura le score. Et essaie de continuer à droite. Bah, j'aurai le time, tu parles. Oh putain! Attends, non, on va vers le haut, je crois. Ah, mais la dernière fois, t'étais allé en haut et. Ouais, là tu te rappelles bizarrement. Je sais que tu vas me trouver chiant de taper tout le temps, hein, mais je suppose qu'on est sur le bon chemin. Je ne fais pas. Fais pas l'entouille cette fois, je désactiverai juste les lasers pour te faire te baiser. Voilà. Te baiser, t'as dit. Et du coup, désolé, je suis devant ma série Miam Miam, donc laisse-moi tranquille, je peux pas te laisser éteindre. C'est bon, je dis ça, c'est quand même moi qui t'appelle. Bon, vas-y, t'as juste à continuer, allez, vas-y. Aïe aïe aïe, ce personnage non assumé. Attends, stop! Le courant, il s'est remis tout seul en route. Mince, c'est pas supposé. Bon, je. T'inquiète pas, je vais de vous le couper le courant, d'accord? Il se coupera avant un peu et arrête-toi après, puis après t'avances, ok, c'est bon, t'as compris, te baisse pas. Au revoir. Yap! Yap! Tu vois, j'ai la situation bien en main. Tout est sous contrôle. Allez, let's go. Ok, tu devrais. Je devrais fermer ma gueule, ouais, surtout. Bon. Prends le choix que tu veux, désolé, je te laisse. Oh non. Plus qu'il y avait dans les côtés, donc je vais t'y aller. Oh merde.
Toi, j'assume complètement le personnage, je joue le rôle sans les textes, toi. Oh, mais merde, putain. Ça marche très bien. Belle. Il y a 100 PO à l'intérieur de la poubelle. Bah, Pierre. 100 PO. Ça rembourse la moitié de ta nuit. J'avoue. Bah, ta nuit, c'était cool, hein. Tu fais bim, 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 bim. Bim, 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 ouais, sur la côte. Sur la côte tout seul. C'est un peu triste. Oui. Ah, d'ailleurs, t'as pas fait le truc easter egg avec les lapins? La boutique de lapins à Snowdon. Non, il me semble. Parce que tu peux aller dormir avec les lapins. Tu savais pas, Kevin? Si, si, mais j'avais oublié. Place. Je me suis rappelé de ça quand les... dans rassurer en place en lui disant que tout ira bien. Je suis en paix avec moi-même. Je me fais quand même attaquer, hein. Connard, c'est terrible. Marrant. Putain! Merde, non, pourquoi je vais. Bon, ça me saoulait. Priez. Priez pour votre sécurité. Conscience des remplaces qu'on fait surface. Ne laissez pas tomber. C'est un peu plus dur, hein, quand on est que level 1. Oh la vache! Putain, non! Shit! Ça arrive. Oh, par des mobs ça... de merde en plus. Première fois que tu meurs par des mobs de merde. Non, mais aussi il faut prendre en compte que t'as pas de level, donc t'as pas de PV en plus comparé à la dernière fois. Ah, tu es bloqué à 20 de PV. Donc c'est pour ça que ça va être plus dur les combats là. Parce qu'en vrai, quand tu fais une troupe pacifiste, les combats à la fin sont un peu plus durs quand même. Quand t'avais réussi, je me suis dit putain, mais il a réussi à passer le truc que moi j'avais du mal. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas pris en compte que toi t'avais plus de PV que moi à ce moment là. Oh, mais putain! Ah merde là, avec tes mouches! Je vais faire bouffer dans le cul là! Action. Priez. Wouah! Putain! Allons. Ne veut plus se battre. Ok, un de moins. Quick, quick! Oh mais non! On dit de. Ok. Complimenté. Vous flattez Croapo ultime. Il vous a compris, son attaque diminue. Je vous ai compris! Il t'a compris. Il n'ignore pas la raison de sa présence ici. Complimenté encore! Oh! Bâtard! Vous êtes timide. C'est bon. Voilà, vache. Je vais même les SFX pour toi. Et par contre, je vais tout le temps faire des saves, je pense. Je crois que j'ai pas trop le choix. Je crois pas être une sa race, quoi. Oh la vache. Ah, heureusement que sauvegarder ça te rend la full PV, hein, putain. Ouais, parce que moi je me rappelle pas de ça. Mais ouais, vérifie quand même, ok. J'ai un doute. Bah bon, on va pas. Ah, si, ça retourne des PV, mais moi je me rappelle pas qu'il y avait ça à l'époque. Ouais, c'est bon. Bien plus dur à la sortie avant qu'il fasse les patchs. Alicien, du coup, c'est parler. Si je rappelle, vous faites tourner la tête, défense diminue de 1. Quoi? Oh non! Oh non, j'aime pas ça, je comprends rien! Ah, ça change le sens. Ok, il y en a un qui est épargné, cool. Il m'envoie des pop-corn au cul! Bon. C'est chanté, non, avec lui. Vous êtes donné une berceuse, vos paupières de palado. Paladodo semble s'alourdir. A bientôt. Oula! Oula! Pire profondément. Non, toujours pas. Parler. Demandez à Paladodo comment s'est passée sa journée, pas de réponse. Il fallait vraiment continuer à faire des berceuses. Chanter une petite berceuse! Bonne nuit! Paladodo ferme les yeux lentement. C'était ça. Faut pas. Continue de chanter, Paladodo s'endort. Un ronflé. Et on se demande arrêt. T'imagines un gros garde stock et tout comme ça, menaçant, et tu lui chantes une berceuse, c'est bon qu'il s'endort et basta quoi. Ça veut dire qu'il est. Je pense qu'il souffre de narcolepsie, personnellement. J'ai jamais vu un streamer narcoleptique. Voilà mon petit frère.
T'imagines un streamer narcoleptique, ce serait un peu chiant hein, pour lui. Ah, ce serait vraiment chiant, je pense. Plus pour lui que pour les gens, je pense que les gens ils. Oui, c'est sûr. S'en foutraient au bout d'un moment. Viens m'embêter, je suis en paix avec moi-même. Mais c'est chiant. J'ai pas écouté, mais narcoleptique, c'est pas les gens qui dorment beaucoup. Qui c'est ceux qui s'endorment. Ils s'endorment sans se contrôler, tu vois, ils peuvent pas. Ouais. Ça fait penser à une personne. Après, t'as des extrêmes et dort et tout, à peu près une vingtaine d'heures par jour. Oui, certains ils le gèrent très bien. Alors, après, t'as des médocs pour ça. Après, le problème c'est que tu peux pas forcément travailler parce qu'imagine, tu t'endors dans ton travail. Ça dépend qui. Ça dépend le moi, travail. Je quelqu'un qui l'est et bah, elle peut travailler. Ah, merde. En tout cas, avec ces caméras de surveillance bien, dans les bureaux, avec les caméras de surveillance, ça passe hein, vu qu'ils dorment tout le temps. Oh putain! Je pense que quand t'es actif, tu restes debout, y'a pas de problème, ça dépend. Mais par contre, ceux en bureau, je pense qu'ils ont trop du mal à vous. Mais. Compliment, il arrive plus à parler, les gars. Complimenté. 3 points, mais. Fuck! La stigmate fait claquer ses dents. Ah bah, attends deux secondes. Hein. Ça n'a pas diminué encore, très bien. Putain de merde, c'est où? De son âme. Ok, lui c'est bon. Un dernier coup. Ouais, ouais, bah arrête de me faire chier. Je peux pas embêter. Et n'embêtez pas la stigmate. Ah, fallait l'embêter, ce connard. Avec tes problèmes de vue là. Oui, tu confonds avec l'autre qui a un œil aussi. Et oui, c'est ouf. À chaque fois, je les confonds les deux. Bah voilà. C'est pas compliqué, fallait juste me traiter de fils de pute. Il faisait mytho pour le save. Je m'en doutais. Ah mais vous le savez maintenant. Ouais bah sinon je vais. En fait, le problème c'est si je le fais pas, je vais dépenser de la bouffe pour rien. Et je pense que je vais en avoir besoin contre Metaton et contre Asgore. Ouais c'est vrai. Je préfère faire ça. Je pense que c'est pas Pokémon et que les monstres peuvent repopper à tout moment. C'est pas Pokémon ? Quoi ? Non, c'est Pokémon. C'est juste c'est qu'il y en a plusieurs tout le long du coup. Dès que t'as fait le monstre, c'est bon, et tu les reverras plus jamais, celle-là. Ouais, ouais. Ah, mais ma blague, elle est passée complètement. Ah, j'ai pas compris. Non, mais t'inquiète, on l'a entendu, mais. Ah, moi j'ai pas compris. Pokémon. Dis, ah bon, y'a Pokémon dans le jeu. Oh là. J'ai compris maintenant. Tu vas attirer tous les simps. Y'a Pokémon ? Oui, y'a Pokémon ici. Elle est en live en ce moment avec nous. Ah, j'ai cru que tu parlais. Ah, ok, toi tu parles de Pokémon. Ok, ok, tu parles de elle. Moi je pensais à la réponse de Spark. What? Comment ça Pokémon dans South Park? Quoi? Bah tu sais pas, ils ont fait une référence Pokémon. Oui, ah, Pokémon. Oui, mais il a dit oui, mais Pokémon. Man. Poki. Qui? Paquet. Pokémon. Ah non, je vous jure qu'en fait, celui-là il voulait pas que je l'embête en fait. Ouais, putain, ça change en fait. En fait, ça dépend si l'œil est ouvert ou si l'œil est fermé. Ah. J'avais oublié, c'est vrai, c'est ça. Ah, du coup. La save. Ça, c'est bien, il n'y a pas eu Metaton, j'attends qu'il y a fils, mais. Ça va arriver, mec. Ouais. Oui, parce qu'il y a le grand dialogue avec. Je vais bien faire des tests encore. Ouais, tu pourras. Hein, Oui, elle va dire, elle fait tout noir ici, je crois. Exactement. C'est vrai qu'on peut passer le monologue de Metaton en le retournant maintenant. Ah non, bah c'est bon parce que cool. Vu que t'as déjà fait une fois. Bah alors on le passe. Oui, hein, oui, vas-y. Vite à Metaton qu'il y a un truc cool derrière lui. Eh vraiment? Où ça? Pas mal, très bien joué. Allez, tous ensemble! On va le faire. Action. Ouais. Cramé. Yeah. Non. Quel con. Mais donnez. Mais flagellez-moi, s'il vous plaît, putain. Lancez le caillou. Ok, c'est bon. Allez, hop. Non. Ah, j'ai spammé. Quel débile, putain.
On dit pour avoir une petite plus d'attaque, le dimat augmente, il pure de bruit. Shit, clavier de merde. Dimat, m'écoute. J'espère que tu as un clavier sous la main. C'est parti. Ce que j'aime le plus, ton boule. Un point, point, point. Oh putain, je comprends quand même. Je suis un homme en colère. Le CV, pas moi en tout cas. Quoi ? 4 de vie, est-ce que je tente ou pas ? Je tente. Non ! Mais putain ! Pourquoi ça a pas touché le dernier ? Je te déteste ! Officiellement. Objet. On mange pas le bonhomme de neige, mal bouffe. Ok, ça, ça va. Allez, je peux le faire. Nickel. Ouf, c'est bon. Ah ouais, c'est les bombes. Nickel. Fais pause. Ouais. Ouais, je devrais faire pause. Attendez, pouvoir éviter toutes les attaques. Non, il parle de l'action posée. Ah. Poser, tu dis. Ah, bien joué. Merci, Ayman. Prenez une pause dramatique. Luc approuve. Incroyable. Merci, Ayman. J'avais pas vu qu'il y avait une pause. Et du coup, je peux le spammer maintenant? Non, je pense pas. Ah oui, je peux le spammer. C'est ouf, trop bien. Ah, j'aurais dû faire ça dès le début. Udana. Qui a besoin de bras? C'est toujours moi qui vais gagner. Merde, non. Ouais bah oui, forcément, je me le prends dans le cul. J'ai peur, qu'est-ce que je fais? Objet, allez, c'est bon. On est tranquille. Merde. Oh oui. Oh oui. Osez. De rien. Le tech va continuer. Ah ouais, mais c'est un peu la merde là quand même. Gentil, mais... Osez. Ok, c'est bon. Ouh. Pause. Prendre une pause dramatique. Hier, yeah, caméra. Bah, ça suffit. Tu tiens vraiment à revoir l'humanité périr? Ou bien crois-tu pouvoir surmonter par toi-même? Pause. Ah, cool. Ça marche. Il y a un trésor entre toi et moi, on dirait. Même s'il y a entre nous, je crois qu'on sait déjà qui nous va gagner. Admire le véritable pouvoir de la star de l'humanité. J'ai raté. La bombe. Et non. J'ai tout pris dans le cul. Ah, je prends un mal bouffe quand même, on sait jamais. Je pourrais aller les acheter en vrai.
pas très grave. Oh la star, peux-tu seulement protéger l'humanité? Viens par là! Est-ce que je suis proche de ce truc? Oh oui! Oh le spam! Le spam de cœur! J'aime bien le fait que ils te redonnent des munitions au moment où. Au moment où ta munition touche. C'est bien ce style. Je vais maintenant. Ouais, après je vais chercher de la bouffe, t'inquiète pas, Evan. Clairement, c'est ce que je m'étais dit aussi. Enfin. 3, 2, 3, 1. Non, 2. Pause. On y est bientôt. Quel? J'ai pris un coup? Oh merde, je pensais que j'allais esquiver. Oh non, je crois que c'était le truc d'avant. Ah ok. Je vais te spammer! En fou! Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! C'est bon, je sais! Oh, je vous ai fait peur! Re, c'est l'attaque que je déteste chez mes totems. Celle-là? Ça va. Malgré la douleur, prenez une pause dramatique, le public vous applaudit. Oh, regardez-moi cet audimat! Je n'ai jamais eu autant de spectateurs, je crois que l'on va pouvoir lancer au bonus appel. Une personne va avoir la chance de venir me parler en live. Avant que je ne quitte tout le monde pour de bon, voyons qui nous allons voir. Enfin... Coucou, vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission? Ah! Salut! Ah, c'est pas Napstalbook? Non, c'est de toute façon, c'est pas Alphys, donc t'inquiète pas. Je vais juste dire que c'est pas Alphys, hein, donc. Ok. Donc, c'est les teints, tu sais, c'est les gens qui regardent le sport. Ouais. Salut, Metaten. J'ai adoré regarder ton émission. Ma vie est plutôt nulle. Mais. Mais oui, c'est Napstalbook, ça, dessus. Putain, c'est ouf, comment tu sais que c'est lui? Oui, c'est lui. Mais c'est en fait, c'est le thème qui m'a dit, genre, un petit truc tout triste, et je me rappelle que Napstalbook est genre. C'est horrible comme il est triste. L'histoire un peu. Bah, clair. Je sais pas si tu connais le reste de l'histoire de Naspoli. Non, il sait pas, il sait pas. La route Genos va devenir excitant. Ton émission de télé a apporté beaucoup de bonheur. Pardon. J'ai la chance de prendre une voix. Ton émission de télé a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie, par procuration. Je peux me tromper, mais j'imagine que c'est le dernier épisode. Tu vas me manquer, mais t'attends. Oh! Je pensais pas parler aussi longtemps. Oh. Non! Attends! Blanc! Il t'a raccroché. Comment on te rappelle? Ah, Metaton! Ton émission nous a tous rendus vraiment heureux! Metaton! Je saurais pas quoi mater sans ton show! Metaton! Tu vas laisser un méta vide dans mon pauvre méta cœur! Metaton! Metaton! Ah. Je. Je vois. Merci. Merci infiniment à vous tous. Alors, il vaut mieux, peut-être, que je reste encore un peu ici. Les humains ont déjà tant de stars et d'idoles, mais les monstres, ils n'ont que moi. Si je partais, l'autre monde perdrait son éclat. Mon départ laisserait un vide impossible à combler. Alors, je crois que je vais devoir remettre ça plus tard. Et puis, tu as fait preuve d'une grande force. Une force peut-être même suffisante pour suivre Asgore. Je suis sûr que tu seras en mesure de protéger l'humanité. C'est bien si, après tout. Je ne vais pas te mentir, ce corps consomme vraiment trop d'énergie. Je vais bientôt tomber en panne de batterie et... Enfin, ne t'en fais pas pour moi. Mais alors, en plein les yeux, trésor. Et à tous mes spectateurs, merci du fond du cœur. Vous avez été un public fantastique. T'as fuck sur le live, on dirait que tu dis merci du fond du cul. Merci pour du cul. Je peux le voir en mode salé, je comprends, en vrai trop marrant de voir une personne qui rage un peu. Un peu spoil. J'ai réussi à débloquer le verrou, est-ce que vous... Oh mon dieu! Metaton! Metaton, tu es...
mort. Ah, Dieu merci. C'était seulement les batteries. Mais attends, si tu étais parti, j'aurais... Ah, je veux dire, c'est pas un problème, tu sais. C'est qu'un robot, si tu le détruis, j'aurais juste à en construire un autre. Tu devrais y aller maintenant. Du coup, on a tout fait, on a battu Metaton. Continue pas. Ok. Là, normalement, quand t'as fini, faut que tu reviennes en arrière. Ah, ok. Mmh. Ah, mais oui, il faut que je prenne de la bouffe, de toute façon, mais... Oui, en plus. Mais je peux pas. Non. Ah, non, t'inquiète, je crois qu'il y a un chemin. Pour voir Sense. Ah, ok. Ah, oui. Et après, tu pourras revenir. Mais, en fait, maintenant, je me dis, est-ce que t'es pas obligé de faire... Oh, putain. Je suis désolé. Continuons à avancer. Reculer du coup ? Ah bah non. Non. T'inquiète, mais en vrai, il faut d'abord faire ça avant. Alors, tu as bientôt rencontré Asgore, c'est pas vrai ? Ça doit tout ça, quoi. Est-ce que je le fais bien ? T'inquiète. Tu pourras enfin rentrer chez toi. Je suis juste pour l'ascenseur. Attends. Je veux dire, j'allais juste te dire au revoir et non, j'en peux plus. Je t'ai menti. Une âme humaine n'est pas assez forte pour traverser la barrière tout seul. Il faudrait au moins une âme. Attends, non, une âme. Non, j'ai pas eu le temps de lire. Oui, c'était ça. Monstre. Une âme humaine et une âme de monstre. Une âme de monstre, ok, ouais. Ouais, c'était juste. Attends, ouais. Additionner de ça, en fait. Si tu veux rentrer chez toi, tu vas devoir prendre son âme. Tu vas devoir tuer Asgore. Non. On a dit non, on tue personne ici. Je suis désolé. Prends pas l'ascenseur. Hein. Oui. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit, Amen, c'est dès que envie de prendre un télo quand même. J'aurais dû mettre le bruit de bibi, genre. Bibi. Tu veux que je t'apprenne un truc, tiens, qui va être très utile quand tu vas jouer en génocide. Bah là, du coup, tu peux plus le faire. Oh mon ventre.